Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser, les Nalbar, d'être une erreur, de partager une information. Les Metsekatchimnehabsav, et Nalash, j'ai tout ou que je vais partager avec vous chez les Kretch, mais j'ai pas beaucoup cherché, ou presque un jour, du coup, c'est une rumeur, les Psa. Mais bon, après, que c'est pas vrai ou c'est pas logique, mais presque comme c'est pas logique. J'ai une interaction de la famille Diana dans les commentaires, surtout Mouhsid en direct, Smito Sharaf, qui est dans mon campus France. Du coup, il est, comment dire, il est tout ce qui se passe là-bas, là où la nouvelle stratégie. Voilà, au lieu a dit partager maintenant les informations, on a discuté avec lui, on a refait le jadid, on a eu les rumeurs, les qui dorent là. Alors, sachant que l'erreur, les drits, le bar, le ketchga, les pages, on partage un article. Mais bon, je m'excuse une autre fois, ou d'abord, je laisse Sharaf se présenter. Voilà, après, Nsoul, c'est à toi. Bonsoir Amir, bonsoir à tout le monde. Donc, merci déjà de m'avoir invité. Donc, déjà, vous savez comme un petit peu comment cette nouvelle décision a été on va dire, annoncée. Donc, comme vous le savez tous, ou les gens qui ne connaissent pas, donc chaque année, Campus France organise, on va dire, des rencontres universitaires de la francophonie. Donc, où il y a tous les établissements d'enseignement supérieur français, tous les organismes, on va dire, internationaux aussi qui travaillent pour l'enseignement supérieur français, par exemple, les espaces Campus France d'une soixantaine de pays. Donc, cette réunion, en fait, elle est organisée chaque année pour parler un petit peu des enjeux de l'enseignement supérieur français, de ses objectifs, faire un petit peu le point sur, on va dire, les résultats de l'année en cours et parler un peu des ambitions et des projets à venir pour l'enseignement supérieur français. Donc, pour cette année, donc, les intervenants étaient Monsieur Edouard Philippe, donc le fameux monsieur qui a voilà, annoncé des nouvelles, on va dire, de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les étudiants étrangers. Donc, on va commencer déjà par les bonnes nouvelles. Donc, comme vous savez tous, donc, pour aller en France, il y a toute une procédure à suivre. Donc, il y a la procédure Campus France. Par la suite, il y a la procédure de demande de visa qui demandait à chaque fois donc, de prendre rendez-vous avec TLS, voilà, d'y aller, déposer le dossier, attendre la réponse, etc. Donc, maintenant, tout va être automatisé. Donc, toute la procédure de dépôt de dossier de visa va être en ligne. Donc, la seule fois où on voudra aller au consulat ou chez TLS, c'est vraiment pour les empreintes. Voilà. Donc, maintenant, toute la procédure va se passer en ligne. D'accord. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est par rapport aux bourses. Donc, comme tu sais, Amir, et comme on sait tous, donc, les bourses étaient seulement à 7 000 bourses octroyées par l'État français annuellement. Donc, cette année, ça a augmenté à 14 000 bourses. Donc, à partir de l'année prochaine, c'est 14 000 Mais bourses qui après, vont être. Oui. Sharif, c'est juste que les bourses, on remarque que les Marocains, c'est rare où tu trouves un Marocain et une bourse. Moi, j'ai rien qu'une idée pourquoi ou là, comment ça se passe en fait. En fait, parce qu'il y a deux types de bourses. On va parler du cas du Maroc. Donc, pour le cas du Maroc, par exemple, il y a deux types de bourses. Il y a les bourses qui sont délivrées par le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire l'État français, pour ce genre de Sharif, circonstances. un tac, mais je pense que tu as beaucoup d'informations là, les bourses, ce qui est très intéressant. Mais j'aimerais bien une autre vidéo, les radin Bien sûr, le bien sujet sûr. elle est très très intéressant, il y a une question où nous elle est, mais j'ai pas beaucoup d'informations elle est, mais vraiment d'abord vraiment mais si tu me permets, est-ce que je peux t'appeler une autre vidéo tout ça le système Sans de aucun problème, merci sans beaucoup aucun merci problème. beaucoup On est là pour ça, on est là pour ça. Ridaba, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus alors tout ce qui est en rapport avec l'augmentation des frais d'inscription. Alors la première question y a dit. La deuxième question, c'est que qui sont les gens qui sont concernés? Wesh, les nouveaux ou là, les étudiants qui sont déjà là? La troisième question, wesh, quel est le changement? Alors on va payer les frais. Le changement de cycle. Un étudiant étranger dit déjà là, un de la licence, la L3 ou la MG, un de le master. Alors qui m'a fait voir la vidéo, Edouard Philippe, calme. Qu'en quoi les étudiants qui sont déjà ici, ils ne sont pas concernés, mais ni radi changer le cycle, même la licence, le master, ou je radi donc les frais Zaydin, ou je radi annuellement, ou là pour tout le cycle. Achille Brenard. Oui.
Oui, je comprends, mais donc pour expliquer un peu ça, je vais vous expliquer par un exemple en fait. Je vais revenir au discours même de Monsieur Édouard Philippe. Donc, ce que Monsieur Édouard Philippe a dit, c'est que les frais d'inscription qui sont actuellement pour la licence de 170 € vont devenir 2 570 €. Donc, les 170 €, mais on les payait chaque année, on les payait pas pour le cycle licence, n'est-ce Ouais, pas? oui, c'est vrai, oui. Voilà, donc c'est chaque année, on payait 170 € pour chaque année d'inscription à la licence. Et du coup, ces 170 € deviendront 2 570 €. Donc je confirme encore une fois, donc les 2 570 € seront payés pour chaque année d'études en licence. Alors les C'est-à-dire frais en d'inscription L1, en vont, L2. okay, vont augmenter. C'est des frais annuels en fait. Exactement, Voilà. c'est des frais d'inscription annuels. Ok. Pour le master, pareil. Donc, une fois on passe au M1, donc la première année master, on paiera 3 770 € et la deuxième année, on paiera également 3 770 €. D'accord. Maintenant, pour les étudiants qui sont déjà en France pour, par exemple, l'année universitaire 2017-2018 et qui vont passer en L2. Donc, effectivement, ces étudiants-là, ils vont payer les mêmes frais que ceux qu'ils ont payés en première année. Mais ils vont payer 3 770 € à la fin du cycle licence et quand ils vont débuter un cycle de master, d'accord? Alors, C'est-à-dire, un étudiant, par exemple, aujourd'hui, il est en L1, l'année prochaine et l'année qui va suivre, il va payer 170 €. D'accord. D'accord? Parce que déjà, la loi maintenant, elle n'est pas encore entrée en vigueur, donc elle s'appliquera si c'est voté, bien évidemment, par le Parlement, et je veux insister sur ce point, c'est que les étudiants, ils croient que c'est bon, c'est OK, la loi a été appliquée, mais c'est seulement un projet de loi, en fait. C'est-à-dire que rien n'a pas encore été appliqué, rien n'a été voté par le Parlement. لا D'accord? انا Donc, تسمح لي نقطعك واش لان انا دابري داكشي اللي قريت ودابري داكشي اللي سمعت اون بارل با دو لوا مي اون بارل دو ستراتيجي alors الا كانت اون لوا je suis d'accord avec toi mais الا كانت اون ستراتيجي il y aura pas d'accord là il y aura pas de vote en fait يعني راه c'est déjà En fait, décidé non, en fait, c'est une stratégie, certes, mais c'est un projet de loi qui doit être voté par le Parlement. Et il doit être voté par les chambres du Parlement, tu comprends? Enfin, il l'a dit d'ailleurs, il a dit que c'est un projet de loi, et même Campus France ont confirmé ça, c'est-à-dire les faits, ils sont là, la décision, elle est là, mais elle ne va rentrer en vigueur et ne va être appliquée qu'à partir du moment qu'elle sera votée. Tu comprends? Mais pourquoi Donc ça, ils ont rajouté la partie financière les sites Campus France? Ils ont fait une notice comme quoi voilà c'est genre comme si c'était validé comme quoi à partir de l'année prochaine les gens vont payer ces frais-là. En fait, c'est des articles en fait qui ont été pris par les sites officiels du ministère. Parce que même au niveau, par exemple, si tu vois par exemple dans Le Monde ou dans La Croix, par exemple, tu vas trouver des articles qui parlent de ça et qui n'ont pas encore officialisé la chose. D'ailleurs, même le ministre, notamment hier, parce que les rencontres de la francophonie, ils ont terminé qu'hier, parce que ça dure en fait 3 jours. C'est du 19 au 21 novembre. Donc lui aussi, il a confirmé que c'était seulement un projet de loi et que ça n'a pas encore été mis en place et rentré en vigueur. Tu comprends ce que D'accord, je veux dire? ouais, je comprends. Mais pourquoi que ça va être appliqué? Bien évidemment, ça va être appliqué pour tous les étudiants étrangers et comme je t'ai dit, les étudiants étrangers qui vont venir pour la première fois en France. Pour ceux, par exemple, comme j'ai dit, qui sont en L1, ils n'auront à payer, on va dire, les nouveaux frais qu'à partir du moment où ils vont passer au second cycle, au cycle suivant, c'est-à-dire au master, ou bien ceux qui sont en master quand ils vont passer au cycle doctoral. Ouais. D'ailleurs, je reviens un petit peu au travail que tu fais, donc merci bien pour ce travail. Donc, Je t'en prie, je t'en prie. on aurait bien aimé, tu vas confirmer, on aurait bien aimé nous aussi avoir une personne qui nous guidait et qui nous montrait un petit peu le bon chemin. Mais comme je t'ai dit, donc on sera là pour toutes les actualités et je te donnerai toutes les actualités concernant ce sujet-là. Résumer en fait ce que tu as dit. Du coup, alors les étudiants, les nouveaux étudiants, ils seront concernés. Les étudiants qui sont déjà là, ils seront concernés. Alors, Nardo, un exemple. Il y a quelqu'un la licence, la première année de licence, rien payé. Déjà Wenaya, rien payé. Deuxième année, il va payer les frais normaux. Troisième année, qu'est-ce qu'il va payer? Les frais Les normaux frais aussi. normaux. Il va payer le nouveau tarif que quand il passera dans le cycle supérieur, d'accord? Le Voilà, cycle du master. coup, dans le changement de cycle, il va payer les nouveaux frais. Exactement. Mais Exactement. pour les nouveaux étudiants, c'est-à-dire qu'ils vont arriver en France durant l'année 2019, ils vont à payer les nouveaux frais, c'est-à-dire les 2 770 €. Alors voilà, je pense que c'est clair. Naslijdat, ils vont payer les frais, les hommes. Naslijdam,
ils vont rien payer حتى يبدلوا لو سيكل. الوغ الا كنتي غدوز من لا ليسونس للماستر او الا كنتي غدوز من الماستر للدكتوراه. حاجه اخرى واحد لا كيسيون مهمه سي شرف، سي كو الناس ديال لي زيكول دانجينيور لي دي يو تي و لي بي تي اس هادو و لي كلاس بريباراتوار هادو شنو واش مي لي جون كي اون في دي كلاس بري مي است كو سي لي جون كي اون في دي كلاس بريباراتوار ان فرانس او دون لور بيي دوريجين؟ Alors, il y a deux cas. Alors, les gens, les barines, j'ai eu des classes préparatoires en Aya. Ok, le cas, les dernières classes prépa au Maghreb, ou bref, j'ai eu le France. Alors, je vais dire le soir, les frais aidés ou pas? Tout à fait. Bah, écoute, du moment que leur classe préparatoire ou leurs 2 années de prépa, ils vont la faire dans une université publique, donc eux aussi, ils sont obligés de payer les frais d'inscription à l'université. D'accord? Par contre, par exemple, et cela, comme je vous l'ai dit, et comme je répète, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont posé la question par rapport à ça, ceci ne s'applique pas pour les écoles privées. D'accord. Parce que les écoles privées, ils ont leur propre procédure, ils ont leur propre tarif d'inscription, ils ont leur propre aussi tarif de scolarité. Donc ceci s'applique seulement sur les universités publiques. Ou bien c'est les écoles d'ingénieurs. Alors pour les gens maintenant qui font 2 années, par exemple, de prépa dans leur pays d'origine et qui veulent intégrer les écoles d'ingénieurs, là, tous les frais sont applicables à partir de la nouvelle procédure. C'est-à-dire, ils vont payer eux aussi 2 570 euros. D'accord, ok. D'accord. D'accord, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas là, tu as quelque chose à dire à ce sujet. Bah écoute, je voulais parler un petit peu des bourses, mais comme tu as dit, je préfère qu'on réserve. Oui, voilà, exactement. Voilà. Ouais. Comme ça, Nas m'a regardé la vidéo toi et là, ou Nas il chauffe directement la vidéo les bourses. Voilà, à la prochaine vidéo, moi j'aimerais des vidéos là le discours le premier ministre Edouard Philippe, tu sais, la nouvelle réforme, tu as fait de nouvelles informations. غادي نحاول ندير البروشين فيديو غادي نهضر عليها نوريها لكم و اون فاي سي دو ديسكوتي اونصامبل ونشوفوا شنو تقال وشنو ما تقال. لا سمعتوا شي حاجه من شي حد ما تثيقوهاش، لان بور لانستون كما قال شريف غير ني سور ديجا جو لو روجون فواحد الهضره، لان خاصكم تعرفوا بان لي زونيفرسيتي واخا هاد لا لوا تاكوردا لونيفرسيتي الا ما بغاوش يابليكيو هاد لا لوا راه عندهم الحق، كاينه ولا ما كاينش شريف؟ يعني اوكا او بير دي كات اكوردات كاين دي زونيفرسيتي اللي ما غاديش يقبلوا بهذا لا لوا هذه، لان على ما حسب ما سمعت وي لا بروف سي كو اوجوردي انكور il y a des universités qui ne sont pas connectées à campus France. Exactement, oui. Voilà, donc chaque université elle reste indépendante par rapport à la décision Exactement. De voilà. Du coup, quand tu reviens à le président de l'université, ou tu dis que le président de l'université, ماشي لو غوفيرنمون اللي تيخدمو، مي الي تيلو، يعني ما تابعش الحكومه ولا هذا اللي يعني غيطبق القوانين ديال الحكومه، مي هو اللي كيشوف لا استراتيجي ديال اليونيفرسيتي ديالو اش غيدير فيها، هو اللي تيدير كلشي، لان لا بغا يابليكي لا لوا يل فا لابليكي، ما بغاش راه الى لو دووا. دوكو فوالا جو بونس كون اتو دي شريف، ميرسي بوكو بور تا ديسپونيبيليتي. Je vais te contacter prochainement pour une autre vidéo de les bourses, Inch'Allah. Ça va être très très intéressant. Je vais te contacter aussi pour que tu présentes ton projet, parce que j'ai adoré le concept et je pense que c'est très très intéressant. On va présenter ça à ma communauté. S'ils sont intéressés, sûrement ils seront intéressés, bah, ils vont te contacter. La vidéo là, je vais te lâcher un pouce bleu. Laissez-le les commentaires, partagez avec les gens qui ont rédigé le français. D'ici là, activez la cloche parce que vous allez regarder les vidéos. Ciao. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, you just know.